Et salut à tous, c'est le Bouto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4. Un épisode très important parce que dans cet épisode 4, nous allons affronter Arsenal là-bas en Angleterre. Je vais tout de suite, sans perte de temps, vous présenter les groupes de Ligue des Champions. Donc on peut voir Roma Celtic avec 3 points, l'AS Monaco premier de son groupe. Grâce à la victoire face à l'Atlético, l'Olympique Lyonnais qui est seulement deuxième qui a loupé le coche, ils auraient pu largement obtenir les 3 points. Manchester City, le FC Barcelone, le petit club allemand, j'arrive jamais à le prononcer, Porto avec le PSV, pas loin derrière, Lazio, Bayern, Shakhtar, Chelsea, Real Madrid, Paris. 6 points, Manchester United 3 points, Séville qui a 3 points aussi. Donc ça va, c'est plutôt serré dans certains groupes. Il y a des groupes plus faciles que d'autres et Monaco, Unlucky et moi, on n'a vraiment pas un tirage facile. Alors, donc, je peux pas trop faire tourner. Donc, on a une grave blessure pour Tolisso. Du coup, il peut pas jouer. Il peut pas jouer parce que il a des ampoules. Donc, il est indisponible pendant 4 jours. Le troll, le mec, il est payé. Il est payé combien, le mec? Il est payé 200 000 boules par mois. Et parce qu'il a des ampoules, il peut pas jouer. Moi, de souvenir, quand je jouais au foot et que j'avais des ampoules, je jouais quand même. Ça m'empêchait pas de jouer. Mais bon, il a peut-être des méga ampoules, qui sait. Change de chaussures, Tolisso. Et Raphaël, qui est encore blessé, qui reviendra dans 3 jours. Donc, on a 3 joueurs appelés en sélection pour le 6-12 octobre. Donc, on a Bedimo et Ghezal dans les titulaires. Donc Monaco joue face à la Juve en Italie et moi en Angleterre face à Arsenal. Donc autant dire des matchs très compliqués. La tactique. Donc j'ai décidé de mettre Ferry. Fekir à gauche, Valbuena à droite. La casette en pointe, même si c'est un petit peu fatigué. Il y a du monde qui est fatigué. Donc Umtiti, Mapou au centre, Bedimo, Jallet, Gonalon. Darder parce que Gonalon et Bedimo ils vont prendre un rouge pour le prochain match. Ils ont eu trop de cartons jaunes, donc du coup voilà, ils vont jouer la Ligue des Champions comme ça contre le FC Nantes. De toute façon, ils auraient jamais joué. Le plus but que j'ai mis dans FM, c'est une volée de 35 mètres de mon back droit. Pas mal. Johan Gourcuff a laissé sa malédiction à Lyon. Ouais, j'avoue. Trop de blessés là. Puis des blessés un petit peu bêtes. Donc on va partir pour ce premier match. Avec des joueurs assez blessés. Gonalon. Assez blessés. Assez fatigués. Gonalon, Lacazette. Qui sont un petit peu fatigués, mais bon. Et puis mon banc est très très limite. Très très limite. Mais bon, c'est comme ça. Donc on est parti. Ouais, les jeunes de la Juve. D'accord, j'allais dire les jeunes de Lyon. On est parti pour ce match. On va jouer notre football. On va tenter de faire quelque chose là-bas. On va pas avoir peur. Même si on a une cote dégueulasse, on a 7,50. On va essayer de jouer. Hein. On est capable. Bon, Wolfsburg, on était peut-être favori. Mais on a bien joué, on a dominé, et là, Arsenal, j'ai envie que ça soit assez égal. Il faut, voilà, si on veut aller assez loin, de toute façon, voilà, il va falloir faire des matchs contre Arsenal, contre Benfica, il va falloir assurer que ça soit à l'extérieur ou non,
Donc là, on a un attente de... D'accord, il y a quelqu'un qui a rejoint la partie, donc on va faire une courte pause en attendant que le match se lance. A tout de suite. Donc, on se retrouve donc pour le début de ce match. Donc, comme je vous l'ai dit, Arsenal largement favori. Ouais. Il va falloir assurer. Donc, on va passer aux consignes. On est 12 sur la partie. C'est notre record. Donc, on va faire le marquage et le pressing. Ouais. Il est bon de la tête, en fait. Ozil, on va lui foutre des tacles durs. À la Unlucky, on va lui faire un pressing. Walcott, c'est pareil. Au milieu, là, on va faire du mauvais pied. On va essayer de bloquer cette attaque qui est juste monstrueuse et qui peut faire très mal, qui peut faire du 5-0, du 4-0, du 6-0. Ça peut vraiment faire très mal, cette attaque. Bah, les gars, ouais. Pas de pression aujourd'hui, les mecs, hein. Aucune pression sur nous. Bon, ils sont pas très motivés, du coup j'aime pas trop. J'aime bien leur dire que je crois en eux quand même. Allez, c'est parti. 8 tacles durs de ton côté. Ouais, moi j'hésite toujours à mettre du tacle dur. Mais bon. Allez, 2-0 pour la Juve. Ouais, parce que Monaco il se fait tout petit. Alors, on va. À chaque fois il se barre, ça c'est. Ça saoule. Les matchs à droite. Comme ça on voit. Il y a déjà 1-0 pour le Sporting. Pour l'instant ça fait un quart d'heure. On n'a pas pris de but. Mais attention. Bon, nickel. Ça fait un quart d'heure. On n'a pas pris de but. Au pire des cas, ce qu'il faut faire les mecs, c'est pas de prendre de but. Bon, on n'a clairement pas la possession. On va éviter de conserver, on va passer sur plus du contre. Hein. On a clairement pas la possession. Ça sert à rien de partir sur un truc qu'on fait pas. Puis on va essayer de centrer. Ouais. Donc Ferry qui prend un jaune. Mais pour l'instant c'est solide à Lyon. C'est solide. Bon, il y a eu qu'un tir cadré. Qu'un tir cadré. Ils ont la possession, mais ça va un petit peu mieux à Lyon. On récupère un petit peu de tir, mais les grosses occasions sont pour Arsenal. Et je tiens à dire que c'est la première véritable carrière que je fais dans une grosse équipe, entre guillemets, en Ligue des Champions. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Oh putain. Ça, c'est le genre de boulette qui se paye cash. Qui se paye cash. C'est comme ça. Nos centres ne fonctionnent pas. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui est... Ouais. Pas grand chose qui fonctionne. On va éviter de se prendre un deuxième avant la mi-temps. Ça serait cool. On va pas dédoubler. On va essayer de jouer le ballon dans la surface. Hein. Ah putain, on va s'en prendre un deuxième. Oh, le centre qui nous fait Giroud. Putain. Le 2-0 à la mi-temps. Avant la mi-temps, ça fait mal. Ça fait grave mal. Ouais, je suis Lyon, Fast Gamer, salut à toi. On est complètement dominé, mais bon, c'est Arsenal. Hein. C'est Arsenal, c'est vraiment une équipe lourde. On va leur dire quand même que c'est loin d'être satisfaisant quand même. On va pas. Voilà, on va pas cracher dessus. On va partir sur un truc un peu plus large. On va partir normal. On va arrêter de ne pas balancer. On va dégager sur les côtés. On va essayer de centrer en force. Et on va enlever ça. On va. Pff, non, ça me fait chier de me mettre en structuré. Ouais, allez, on est reparti. Bah, ça se passe mieux. C'est un petit peu très limite. On a juste eu une petite victoire qui nous relance face à 3. Salut Marion FC! Allez, ça serait bien de voir un petit peu des occasions quand même pour Lyon. On soit pas complètement dominé non plus quoi. Puis au niveau de mon banc, honnêtement. Allez, 3-0.
À Monaco, ouais, y a... enfin, à la Juve, il y a 1-0 pour le moment. Mais bon, moi, c'est 3-0. C'est encore pire. Putain, et on est incapable de faire quoi que ce soit. On est incapable. On va partir sur un truc plus structuré, hein. Après, on n'est pas tombé vraiment sur un groupe très facile. On a des joueurs qui auraient pu nous apporter un petit peu, qui sont blessés. À une petite phase de jeu pour Lyon. J'allais. Ah, dommage, putain. Il était vraiment excentré, il pouvait rien faire, Fekir. Et on n'a même pas le corner. C'est rien passé. Allez, on y croit. On leur demande de se concentrer un petit peu. 3-0, ça fait mal. Mais ouais, rien n'est joué encore. Mais vraiment, je pense qu'on peut regretter le match nul face à Wolfsburg. Encore une fois. On peut clairement regretter. Du coup, Mathieu Valbuena qui a du mal. On va mettre Fekir en attaquant intérieur. On va faire rentrer Pedraza. C'est la loose au niveau du banc. Ferry, pareil, il peut pas jouer. Ferry, mais après, faut que je pense. Malheureusement, faut que je pense aussi à la Ligue 1 bientôt. Mes défenseurs qui sont clairement pas là, quoi. Pedraza, quoi. C'est horrible de faire rentrer Pedraza en Ligue des Champions. Excusez-moi, mais. Wagner. Ouais, au pire des cas, je vais. Faire un truc du genre. Hein. C'est risqué parce que du coup c'est un changement plutôt offensif. Mais je dois conserver Gonalon. Ah quoique. Moi ouais, j'aurais pu le laisser de toute façon. J'aurais pu le laisser étant donné que de toute façon il a un rouge pour le prochain match. Mesut Ozil. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Espérons rester sur 3-0 au moins. Allez, la casette. Ouais, il y a 4 joueurs. Il y a 4 joueurs. Et il est tout seul. Il est tout seul. Ah putain, Bedimo qui se prend un rouge aussi en Ligue des Champions. Quoi. Et là, on va se prendre 15-0. Un Morel quoi en Ligue des Champions. Ah non, je peux pas changer comme ça. Qui c'est que je vais faire sortir d'Arder? J'aurais besoin de lui au prochain match. Ça va juste être dégueu là. On va se mettre en défensif. Je crois en toi, fait la différence, mec. 4-1, vous êtes dur. Bref. 3-0. Ça va. 4-1, 5-0, c'était quand même beaucoup. Puis on prend un rouge, donc ça m'étonnerait même pas maintenant. Oh, l'arrêt de Lopez. Non, ça sert à rien de faire créer le surnom. On va se prendre 15 buts. Hein. Ça sert à rien. Non, non, je joue clairement pas la victoire. Ça sert à rien. On prend déjà 3-0. Ça sert à rien de se prendre 5-0. Voilà. Ouais, ça a pas fonctionné. On peut être quand même agressif. Pour l'instant, j'ai trop de blessés. Et puis, trop pas assez de bancs pour pouvoir faire quelque chose en Ligue des Champions. Bon, du coup, on est en. Voilà, Wolfsburg qui nous passe devant bêtement. C'est con. C'est con. Puis on a eu l'arbitre contre nous. Ah, j'ai perdu le match quand j'aurais laissé le ballon. C'est possible. J'ai peut-être fait une grosse erreur. C'est possible.
problème, c'est que j'avais déjà 30% de possession hein, quand j'avais contrôlé et que je gardais le ballon. Que je pense pas que ça change vraiment. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie défaite face Arsenal où on a été quand même dominé. On a été dominé, on va pas se le cacher. On perd 3-0. C'est pas non plus la mer à boire. Il y a eu quelques points positifs. Il y a des joueurs, ils font des erreurs. Il y a des joueurs, puis je manque de banc. Je manque clairement de banc. Je manque clairement de joueurs. Donc voilà, on va se retrouver pour le premier match de Ligue 1 pour cet épisode face à Nantes. Et ensuite, on fera Saint-Etienne en derby. A tout de suite. Et on se retrouve donc pour la deuxième partie face au FC Nantes à domicile. On est donc parti pour ce match. On aligne beaucoup de remplaçants. Il n'y a que Valbona, Ferry, Darder, Mapou, Jallet et Lopez qui restent titulaires parce que, ouais, comme vous le savez, j'ai un banc pas ouf. Mavumba qui va faire sa première sélection. Morel qui va revenir, j'espère qu'il va être beaucoup mieux, qu'il va être plus solide, un petit peu moins en panique. Il a du mal à s'acclimater au club pour le moment. Pedraza, j'ai aucun souci, il est plutôt stable, hein, il fait du 6,80. Wagner Love, il peut être dangereux, le petit Wagner Love. Alexandre Lacazette, il avait besoin d'un petit peu de repos. Il a enchaîné quand même deux gros matchs. Un match face à Troyes et un match face à Arsenal, où il a quasiment joué tout le match. Voilà, il faut lui donner du temps de repos un petit peu. Il va revenir assez fort, je pense. Tolisso, toujours blessé. Rafale, il revient de blessure, mais physiquement, il n'est pas encore prêt. Fekir, un petit peu fatigué. Moutiti, donc fatigué aussi. Donc c'est pour ça que j'ai titularisé Bakary Koné. Mais c'est solide, Koné. Je me rassure. Clément Grenier toujours blessé. Ghezal toujours blessé. Gonalon, Bedimo suspendu. Voilà. Gonalon sans le capitaine. Je sais pas comment on va se débrouiller. C'est sûrement Jallet qui va porter le brassard, je pense. Et donc, on est en attente de le petit Nlucky. Voilà. Il avait zappé. Donc on est parti pour ce match. Le FC Nantes qui vient à Gerland. En général, on n'est pas trop dégueulasse à la maison. Ça devrait... on est favori, mais bon, il faut quand même assurer. Il n'est pas suffisamment rétabli. Il a juste besoin de souffler un petit peu. Je lui fais confiance. Alors, on va faire le pressing. Mauvais pied, mauvais pied. On va faire le pressing aussi. Donc, on est parti. Allez, c'est l'occasion de faire taire les médias sur ce match. Je crois en vous montrer vraiment une équipe lyonnaise solide, efficace. Et tout se passera bien. Allez, on attend le coup d'envoi. On attend le petit coup d'envoi. Alors j'espère que ça va un petit peu mieux sur les matchs au niveau de la qualité. Ça a l'air. Ah, ça serait dommage. Bah, en même temps, Marseille, ils sont en zone de relégation, donc ouais, forcément, l'Asana, il peut largement aller dans une grosse équipe. Bon, pour le moment, on fait de la merde. Ah non, c'était le début. Ça va à peu près, il y a déjà deux tirs pour Nantes. Mais c'est pas cadré. Allez, Wagner Love. Avec Jallet. Oh, c'est limite. Allez, pour Valbuena. Valbuena encore, Jallet qui récupère. Allez, Jallet, le centre de Valbuena. Oh, dommage. Oh, Mavumba. C'est détourné.
Ah, IRL. Ah oui, IRL, la Sana Diarra, il va partir. C'est sûr. Pedraza, c'est bien tiré. Oh, dommage. Koné, la tête, elle passe à côté. Mais Nantes qui se dégage. C'est un petit peu en panique là, sur les deux petites occasions qu'on a eues. Allez, il faut s'y mettre. On y croit, Mapou qui se prend un petit jaune. Attention, ne pas se prendre un rouge. On a déjà pris un rouge en Ligue des Champions. On a perdu sur le dernier match avec des cartons jaunes. On a perdu Bedimo et Gonalon. Attention. Allez, les gars, concentrez-vous. On a la pression. Ça devrait le faire. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Mis à part la possession, mais j'ai un petit peu de mal à garder le ballon. Sur mixte. Ils ont des tirs, mais je pense que c'est des tirs assez lointains parce que c'est pas cadré. C'est pas cadré. Ah, Valbuena blessé. Grosse blessure de Valbuena. Ça sent les gros tacles durs. Mais il y a du lourd sur le banc. Il y a du lourd sur le banc. Déjà que j'ai pas mal de blessés, en plus si je me prends des gros tacles durs, ça risque de pas le faire. Allez, Lacazette qui rentre. Il était fatigué, mais voilà, on a besoin de lui, bah il rentre, hein, puis c'est tout. Pedraza, qu'est-ce qu'il me fait? On va lui demander qu'il s'applique un petit peu. Allez, connais la tête. C'est bien, c'est solide pour l'instant. Koné, j'avais un petit peu peur parce qu'il manque un petit peu de conditions physiques. Il a pas joué beaucoup de matchs, mais c'est assez. Ouais, Wagner Love qui tire. Oh putain, la casette encore. Le gardien il s'est un peu planté là sur le tir de Wagner Love. Il avait pas l'air très dangereux, et pourtant ça fait. Pedraza qui fait pas un superbe match. La défense non plus. Il doit faire quelques petites erreurs. Pedraza, ouais, il fait pas le match de sa vie. En même temps, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose quand je dois faire tourner. Je suis obligé de mettre les jeunes. Oh, c'est bien joué ça. La casette, il est passé. La casette, le centre. Ah, dommage. Allez, Darder. Mavumba. Mavumba, c'est solide aussi pour son âge, 30 ans. Ah, petite faute là, non? Non, pas de petite faute. Pas de faute pour Morel. Enfin, pas de faute sur Morel. Attention à Nantes. Parce que nous, on a manqué trop de fois l'occasion. Nantes, ils pourraient directement mettre le but. Hein. Ils ont un très bon gardien. Un très bon gardien. Un très bon buteur. Allez, corner pour Nantes. Ce serait bête de se prendre un but maintenant. Avant la mi-temps. Ça serait très bien pour Nantes. Ah, le petit Da Silva, on le connaît. On le connaît, le petit Da Silva. Trois, essayer de le recruter. Oh, la casette. Dommage. Il aurait dû récupérer ce ballon. Pedraza, faut absolument qu'il se réveille là sur ce côté. Allez les gars, putain, concentrez-vous. Restez concentrés dans le match. Mapou, je pense qu'il a du mal à enchaîner les matchs. Darder, par contre, plus aucun souci. Ferry, pareil. Wagner Love, je pense que c'est un petit peu léger finalement. Mais j'ai déjà fait un changement sur blessure. Je peux pas me satisfaire de ça. Je veux voir autre chose en seconde période. On va leur dire, vous êtes. Ah, vous êtes capable de faire la différence, les gars. Allez, deuxième période, on est parti. Il faut absolument gagner, par contre. Lyon a besoin de cette victoire. C'est important. Donc, quand face à Lorient, c'est 2-0. Monaco qui gagne 2-0 face à Reims. Les Stags qui gagnent face au Stade Rennais. Bastia, l'OCG Nice, c'est 0-0.
Pedraza, je pense qu'il va sortir. Et Wagner Love, ils vont sortir aussi. Ah non, sérieux quoi. Putain, les blessures que j'ai, moi je fais comment après? J'ai plus personne pour faire tourner. Blessure au visage, ça va, mais bon. Putain, c'est lourd quoi. C'est lourd. Bien joué, Morel. Mais il aurait dû jouer vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Allez, Ferry, ça s'impose, c'est une magnifique. Il y a quelqu'un dans l'axe. Oh putain, il a décidé de tirer quoi. Il y avait quelqu'un dans l'axe, il a décidé de tirer. Mauvais choix de Ferry là-dessus. Fallait faire la passe D, fallait pas essayer de jouer tout seul. S'il y a des gens sur le match de Monaco-Reims, partez. Partez parce que ça fait bugger apparemment. Allez. Pedraza, il fait pas le match de sa vie. Le petit Nabil Fekir. Allez, Fekir qui rentre. Bon, mis à part Mapuka, je pense du mal à enchaîner. Sinon, c'est très bien. Lyon, pour l'instant, c'est très bien. Il y a Wagner Love qui a du mal. Et on a les occasions. Hein. On les met pas au fond, comme d'hab. Soyez créatifs. Soyez créatifs. Allez, double changement pour l'FC Nantes. 16 tirs, 7 cadrés. Allez, dernier changement, je le fais maintenant. Allez, c'est Zivko. C'est pas Georgelin qui... Georgelin, pardon. C'est Zivko qui rentre. Allez, il faut aller marquer ce but qui nous permettra de gagner 3 points. Il va falloir le faire. On va essayer de centrer. Allez, il va falloir aller chercher. Je suis désolé, je suis obligé de prendre les risques. Mais là, 7 tirs cadrés, on n'a pas été foutu d'en mettre un au fond. Putain. Offensivement, j'avais pas du top sur la feuille de match, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas faire autrement. Il va sûrement y avoir du changement pour Nantes, mon ami. Mon ami est le cousin de Habil. Pas d'insulte sur le chat, mon petit Noah. Allez, Ferry. Oh, le penalty. Le penalty. Qu'on a été poussé à être. Ah, de Nabil. Nabil Fekir. C'est la casette qui va le tirer. Attention, est-ce qu'il va le louper comme la dernière fois? Allez, la casette. La casette. Oui, l'ouverture du score. Oui, c'est mérité. Ah. C'est mérité, ça fait du bien. On a eu du mal. Après, voilà, hein. Il faut absolument les mettre. Offensivement, on a du mal. On a du mal à les mettre au fond. Mais là, on prend les 3 points pour le moment. Mais il reste du temps. Il reste du temps. Du coup, on monte 10e avec 11 points. On se relance un petit peu dans cette Ligue 1. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, voilà. Enchaîner 2 victoires par la suite sur des matchs qu'on doit gagner. Hein. 2 matchs à domicile. Le FC Nantes
Et puis 3, c'est des matchs. Salut Steph! Salut Steph, comment vas-tu? C'est des matchs qu'on doit gagner. Bon là, à mon avis, il va jouer le full offensif. Il va falloir en fatigue. À mon avis, il va faire le full offensif. Si c'est le cas, eh bien, très bien, Steph. Très très bien, ouais. Pour un samedi soir. Bon, on va se lancer sur une petite défaite normalement, à moins qu'on se prenne un but à la dernière minute, à la dernière seconde, mon dernière 30 secondes. Allez, c'est Morel qui a la balle, il faut pas la perdre. Pour Koné qui a fait un très bon match, Koné. Je suis très satisfait de lui. Oula, jouez pas trop comme ça les mecs. Hein. Ah, ils font tourner, c'est bien, mais ouais. Là, il reste 5 secondes. Je préfère limite que tu l'envoies. Ouais. Oh, la faute. La faute. Il va se prendre sûrement le jaune pour finir ce match, le petit canard. À moins que... Ah non, juste un petit avertissement. Et c'est fini. C'est fini. L'Olympique Lyonnais s'impose 1-0 à domicile. Ah, tu vas perdre. Bien fait, ouais, c'est bien. Pour toutes les fois, il te l'a fait, Steph. T'as raison. Du coup, dédicace à Steph dans cette victoire. On attend certaines choses. Ouais, ils ont été très limites. On va dire calme. On va dire on s'en sort bien. On s'en sort bien. Bon, il y a Darder qui est stressé parce qu'il fait toujours de très bons matchs, Darder. Mais on s'en sort vraiment très bien. Parce que 17 tirs, 8 cadrés, un seul but, c'est très limite. Très limite, mais il y a du positif. Koné qui fait joueur du match. Quoi. Oui, on dit ça, on dit ça. J'ai pas de chance. Donc voilà, victoire face au FC Nantes. Du coup, on passe devant le FC Nantes avec la différence de but. Toujours des excuses. Tu as quand même réussi à tenir tête. Voilà. Bon, par contre, on se tape deux blessés, Jérémy Moral et Valbuena qui sont blessés. Morel, ça normalement pas très grave. Valbuena, on risque de le regretter. Mais bon, il y a 15 jours de trou. Il va y avoir Ghezal qui va revenir. Il va y avoir du monde là-bas. Du coup, les résultats, donc Angers qui gagne face à Montpellier, Bastia qui gagne face à Nice, putain Nice vraiment, ouais, pas de chance. Bah, salut à toi, Noah. Salut. Donc là, c'est... Je sais pas s'il y a des matchs le dimanche. Alors, Lyon, Caen qui s'impose à... Qui s'impose, pardon. Alors, il y a Monaco, du coup, qui gagne 2 buts à 1 avec le retour d'Origi qui marque un but. Et les Stacks qui gagnent face au Stade Rennais grâce à Bienvenue à la 76e. Ça fait plaisir, ça. C'est cool. Alors, quittez le match. Et donc, on va s'arrêter aux 5 à 6 semaines pour Valbuena. Ça fait mal, Jérémy Moral, c'est 5 à 8 jours. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec l'arbitre. Mince, du coup je vais claquer la porte. Bon, c'est pas grave. Malbran qui fait un bon match, 7 à Bastia. Et après, ouais, après on va donc penalty litigieux. J'ai payé, j'avoue. Oh là, s'il a payé. Bon, c'est pas grave.
Ouais. Il raconte n'importe quoi, on va lui dire. Donc on s'arrête là-dessus pour le moment, pour cet épisode. On se retrouve, je pense. Ouais, non, on va jouer Saint-Étienne, c'est vrai, on va jouer Saint-Étienne. Donc on s'arrête là pour le moment. On se retrouve donc face au rival dans quelques temps. Salut, à tout de suite. Heureux, donc on se retrouve pour la troisième partie de vidéo face à Saint-Etienne, le rival, le petit derby. Pour ce derby, j'ai décidé de faire quelques petits tests. Et oui, j'attends. Enfin voilà, peut-être c'est le mauvais match pour faire des tests. C'est sûrement le cas. Mais j'ai décidé de tester cette petite compo. En fait, c'est juste pour voir si deux attaquants, c'est plus efficace ou non. Sinon, j'en pars sur ma petite tactique qui me plaît bien. Voilà, c'est juste pour voir si c'est un petit peu plus efficace. Mais sinon, on verra bien. Allez Monaco, la victoire contre Marseille. Donc on est parti, on est à Saint-Étienne par contre à l'extérieur, c'est un derby, le stade il va être plein. Voilà, ça va être un match très très délicat, très très difficile. J'ai encore quelques blessés, même si Gezal est revenu. Mapou, il est suspendu. Valbuena Grenier, blessé. Sinon, tous les autres blessés, Tolisso, Raphaël, Koné, enfin voilà, ils sont tous revenus. Donc, vous pouvez voir, en attendant la petite compo, nous avons Bedimo à Raphaël à droite. Qui c'est qu'on attend? Ozilou. Umtiti Koné au centre. Gonalon, Dardar, Ferry, Fekir, Lacazette et Zivkovic. Vic, Vic. Donc on va voir ce que ça va donner. Faut pas oublier qu'on est tous derrière Nice pour sa première victoire de la saison. Et oui, on est derrière. Allez Ozilou pour la première victoire de la saison. Il faut qu'il se relance. Mais franchement, il est tranquille. Il est le président. Il dit non, c'est pas grave. Marseille, Lille, ils sont instables, mais lui, il est stable. Il est dernier, mais il est stable. Il a dû mettre un petit billet. Au président. Ouais. Allez, Ozil, on est derrière toi. Et donc Monaco qui doit gagner apparemment contre Marseille. Il faudrait essayer de faire chuter l'entraîneur en place. D'ailleurs, c'est pas l'entraîneur qui va être sucré, c'est l'adjoint. C'est parti pour le premier derby de cette carrière. Salut beau soleil 06, bienvenue sur le live. Toutes les équipes sont prises. Avec. Allez, c'est parti. Attention, il y a, oui, il y a Jesse Lingard en face. Je vous ai pas montré la fin du mercato. Pour les autres équipes, on parle de l'avenir de Marcus cette semaine. Ah, Ce n'est pas à moi de commenter. Je l'ai soutenu. Pauvre petit Marcus. Ouais, le pauvre. Bon, j'ai dit ça. Voilà, je leur ai dit ce que j'attendais d'eux. Je n'ai rien d'autre à dire. Alors, le petit pressing, le petit. Voilà, avec les petits tacles durs. Allez, on y croit. Allez, gros match aujourd'hui dans l'ensemble, je crois en vous. Et on est donc parti pour ce derby face à Saint-Étienne à l'extérieur. Malheureusement, on n'est pas trop en réussite à l'extérieur.
On est un petit peu mieux à domicile. À l'extérieur, on a un petit peu du mal. On va essayer de continuer notre lancée en Ligue 1. On est sur deux victoires consécutives face à Nantes et face à l'Estac. On va essayer de continuer. On va essayer de continuer. Et le coup d'envoi est donné avec la nouvelle petite compo pour voir ce que ça donne. Pas de soucis et beau soleil. Bon, ça commence plutôt pas mal. Pour le moment, ça va. On va leur dire de rester concentrés sur leur match. Non, carrément, on va leur dire d'être créatifs. Il y a des fautes des deux côtés, il y a des tirs des deux côtés. Attention à Fekir, la casette de la tête, mais c'est une petite tête que le gardien peut largement. Salut Kalsen, bienvenue à toi dans l'équipe, merci de ton soutien. Ça fait vraiment plaisir, tu es le 134e follower de Twitch, n'hésite pas à t'abonner aussi sur YouTube. Bon, pour le moment, c'est assez équilibré. Alors, Nice 1-0 face à l'Estac à l'extérieur. Ah, je croyais que Nice, ils étaient à domicile, tu vois. Et c'est 0 partout dans tous les autres matchs. Ah, attention à ces dégagements, je les aime pas trop. Bon, ça va, c'est récupéré par Ferry, mais c'est une mauvaise tête. Du coup, c'est Saint-Etienne qui va récupérer la possession. Et 2-0 pour Nice. Qui va peut-être, à moins de faire 2 contre son camp, gagner la première victoire. Ah, ça passe pas encore, ça passe toujours pas encore, la casette et le but de la casette. Ça y est, il se réveille, 5e but de la saison, on grimpe à la 6e place, ça fait plaisir. Mais le match n'est pas fini, mais voilà. Nabil Fekir passe des, la casette but, que demander de plus. Nuki apparemment il fait rien dans le match. Et 3-1 pour Nice. Gros match de Nice. Et Caen qui gagne aussi contre Nantes. Ah, ce qui est embêtant c'est qu'il... Barbossa est blessé à Monaco. Ah, bien récupéré Koné. Il est propre le petit Koné. La casette, il est passé, la casette encore. Oh, dommage pour Zivko. Allez Zivko. Ah, il n'y a pas faute. Et ils font tout le temps des têtes, ils peuvent pas poser le ballon au sol. C'est le gros souci de cette équipe dans cette partie, c'est qu'ils sont tout le temps en train de faire des têtes. Ils peuvent pas poser le ballon au sol. Allez, on va leur demander de se concentrer. Ferry qui fait pas le meilleur match de sa vie. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Guigui est à fond derrière Monaco. Alors, on va leur dire de faire ça pour les supporters. On va leur dire que c'était pas mal, qu'ils peuvent mieux faire encore. Allez, deuxième partie. On est parti. J'ai pas grand chose à modifier. On est présent, j'aimerais juste qu'ils posent un petit peu plus le jeu. Un petit peu trop de tête à mon goût. Voilà, faut poser le ballon, faut construire. Oh, Raphaël qui fait une faute.
Peut-être le premier. Non, juste un avertissement. Ouais, juste un avertissement. Pour l'instant, les résultats sont pareils. 0-0 toujours à Monaco. Synthé, ils ont des occasions, mais ils cadrent autant que nous. Et Ferry qui a du mal. On va leur demander de se concentrer, de rester dans leur match. De rester concentré sur notre objectif. Et carton jaune pour Pajot. Et Bedimo a pris un carton jaune aussi. En première mi-temps par contre. Attention, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, mais c'est bloqué. Ah, c'est bloqué parce que l'entraîneur fait des petits changements tactiques. Voilà. Ça a repris. Carton jaune pour Koné. Qui a fauché apparemment un joueur. Allez, double changement. Béric. On va faire. Voilà. On va faire ça. Ça. Direct parce que Béric est dangereux. Il est très dangereux, Béric. Et on va faire un petit pressing. Et un mauvais pied. Et on confirme. Et on est reparti. Voilà, on leur donne les consignes. Attention aux deux joueurs qui viennent de rentrer. Et 3 qui vient de réduire le score à 3 contre Nice. Attention, corner pour Saint-Etienne. C'est dégagé pour Gonalon. Mais attention, ça va peut-être revenir. Le centre, c'est dégagé encore. Allez, Ferry. Ferry pour la casette. Trop sur le côté. La casette, il est tout seul. Il va demander du soutien pour Fekir. Fekir qui... Et 1-0 pour Monaco. Attention, le pressing. Oh, bien joué Raphaël, mais attention. Pressing trop. Ça aurait pu te coûter cher. Attention à Pajot, attention. Oh, le tir complètement cadré. Enfin cadré, hors cadre. On va faire quelques changements. Il y a quelque chose qui me dérange au milieu de terrain. La rentrée de Mavumba. Voilà, la rentrée de Mavumba, son expérience, sa qualité de passe va faire peut-être la différence. Même si Tolisso, mais il est peut-être plus milieu défensif, Tolisso, ouais. Ah, c'est vrai qu'il est plus défense. Au pire des cas, non, on va rester comme ça. On va pour ce match, on va rester sur cette tactique. Je voulais au pire des cas repartir avec des ailiers, mais on va rester comme ça pour le moment. Mais ça m'embête un petit peu parce que voilà, il pousse un petit peu Saint-Etienne, même si on est présent, on a 4 tirs cadrés sur 8. Ils ont quand même 12 tirs. Mais ils essayent de pousser. Ah, je pense que ça peut être stressant pour Zidou qui doit se rapprocher de. Oh, l'arrêt de Lopez. Lopez nous sauve. Nous sauve. Changement. Tabanou qui sort. Oh le. Oh Koné qui sauve. J'ai l'impression que Lopez il était complètement. Ah, posez-moi ce ballon, bordel. Ne balancez pas en défense. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Ouais, c'est le gros souci là de Lyon, c'est vraiment un souci, j'ai l'impression. Ils posent pas le jeu, ils dégagent, ils essayent pas de construire. Et du coup, Saint-Etienne, bah voilà, ça fait 15 tirs, mais à mon avis, là, ils poussent à mort. Ils poussent à mort pour essayer de revenir dans le match. On va mettre en attaque, on s'en fout. Voilà, on va faire attaque aussi. Et puis après le reste hein, c'est solide la défense.
Mais attention, il faut continuer à être solide. J'ai décoché. Ah ouais. Ouais, mais bon, ne balancez pas le ballon en défense. Tu ne balances pas le ballon en défense. Hein, même si j'ai pas mis conserver le ballon. Et première victoire pour Nice. Bravo à Ozilou. Victoire de Monaco. Victoire de. De Caen. Non, Caen, c'est pas fini. C'est pas fini, Caen. Pour l'instant, c'est tout. Attention. Ça pousse, hein. Allez, on va leur demander d'être un petit peu créatif. Il faut faire le break. Allez, dernier changement pour nous. La rentrée, j'ai bien envie de partir sur un truc complètement ouf. Mais j'ai fait rentrer, quoique c'est faisable. C'est largement faisable. Allez, changement défensif. Allez, des GG pour Ozilou. Dans le chat et en commentaire. Allez, on se rapproche de la victoire, mais ouais, même si on a été... on a marqué... Ils ont essayé de revenir, mais on a été assez solide. Hein. On est très très solide, ça y est, défensivement. Offensivement, on a toujours le petit souci de se mettre à l'abri. Allez, il reste quelques secondes. Et on va se diriger sur la troisième victoire d'affilée en Ligue 1. Ça fait plaisir. On va quand même les féliciter, même s'il y a des points à revoir comme tout. Mais pour l'instant ça va mieux, on est 6ème, 14 points, voilà, ça se rapproche, c'est nickel. Allez, même si au niveau des stats il y a des choses qui n'ont pas été, on les a peut-être laissé trop jouer, mais ils étaient quand même à domicile, faut pas oublier. Merci Maxime, bien joué à toi aussi, t'as bien joué, il y a eu un grand Lopez et une bonne défense aussi, j'avoue. J'ai eu quand même pas de la chance. J'ai eu les arrêts là où il fallait. Donc voilà, on s'arrête là pour cette partie, j'ai envie de dire même pour cet épisode. Prochain match, c'est Benfica. Dans cet épisode, on a fait Arsenal. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 3 matchs. Je ne sais pas. Au pire des cas, on va, donc je vous dis... N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode ou pour la quatrième partie. On va voir ça. Donc, à tout de suite.